comment ça va? Moi, ça va pas très bien. Je viens de me rendre compte que je fais faire tout le tout premier monde avec les 5 premiers niveaux. Et le premier boss? Enfin, boss. Je vais pas vous dire, vous regarderez sur une autre chaîne, un truc comme ça. Enfin, bon. Dommage un peu. Et j'avais pas record. Du coup, je me retrouve là, terrifié sans avoir record. Du coup, j'ai vu le tutoriel et tout ça. Et. Bon, ben, on attaque. Bon, pour vous faire un gros résumé, on arrive dans la cité. Enfin, on est dans un endroit un peu désertique. Du coup, un endroit avec de la bouillie hirsute, comme on peut voir là. La bouillie hirsute, c'est la bouillie chelou qu'on voit un peu partout, violette, violette bleue. Et du coup, fallait qu'on utilise le salmioche, du coup, pour enlever. Ça coûtait à peu près 300 œufs, des trucs comme ça. Et après, quand on arrivait tout en bas, on se retrouvait en combat contre Monsieur, DJ Octave. Monsieur Ours, je sais pas. Pour moi, c'est Monsieur Ours, ce dernier boss, mais bon. Ça, c'est toujours une de mes anciennes théories. Je pense que ça va être ça. Et du coup, en fait, ma calamar, il croit que c'est encore lui qui a battu Poisson-Chat, qui a utilisé le Poisson-Charge. Et du coup, on le bat assez facilement. Et il dit, ma calamar dit, en gros, on t'a battu facilement, on n'aurait pas dit que t'avais le Poisson-Charge. Et DJ Octave, il répond, ma triple buse, c'est parce que j'ai pas le Poisson-Charge. Et du coup, il se demande, mais qui a le Poisson-Charge alors? Et là, on se fait emporter dans le trou et on arrive ici. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. J'ai un peu le seum. Mais bon, c'est parti! Du coup, DJ Octave deviendra notre pote, je pense. Et il va nous aider tout au long. Ok. Ah, et du coup, là, ouais, j'avais le liquidateur, je pense, peut-être au niveau au-dessus. D'accord, là, j'ai un liquidateur un peu moins bien. Youhou! Ça doit être pas trop. Et. Oh, ils sont là! Oh, trois par ici! Ouh! Content de te voir, si. De te voir que t'es grand sale mort. Oh, ça fait trop du bien de revoir, je suis trop content. Numéro 3, pas vrai, papy vous a engagé, étoile et petit sale mioche. Il dit quoi, numéro 3 alors? Ouais, je m'en doutais, t'as cette fameuse étincelle dans les yeux avec laquelle il nous tanne tout le temps. Bref, ravi de te rencontrer, j'en profite pour faire les présentations. Je suis numéro 1 de l'escadron Espadon, nouvelle version. Salut, moi c'est numéro 2. Merci pour ton enthousiasme débordant numéro 2. Quoi qu'il en soit, il reste un dernier membre à présenter, mais pas de moindre notre amiral. Pas de moindre notre amiral. Ensemble, on forme l'escadron Espadon. Nouvelle version, d'accord. Et du coup, c'est qui lui? C'est numéro... Enfin, c'est numéro 3, mais. Bon, dirais que papy et toi avaient été séparés. Cet endroit est immense et cette écœurante bouillie hirsute prolifère partout. Il faut qu'on retrouve papy avant que ça la prenne, que ça le prenne d'y goûter. Ou je ne sais pas quoi. Oh, tu présentes ça d'une façon, on dirait presque que ça va pas être marrant. Enfin, plus sérieusement, on va avoir besoin de toi pour retrouver papy. Allez, ça se refuse pas. On n'a pas tous les jours l'occasion de bavarder avec un papy comme papy. D'accord. Et c'est ainsi que papy. Déjà, à nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'expression numéro 3. On n'a jamais mis les pieds ici, mais ça va pas nous empêcher de faire un petit topo. Donc, qu'est-ce qu'on a? A priori, cette zone s'appelle Alterna. Ok. Quand je pense qu'elle se trouve sous le cratère pendant tout ce temps. Qu'elle se trouvait sous le cratère. Hein. Sauf erreur, elle est constituée de 6 îles. Enfin, des sortes de secteurs, quoi. Ça change de d'habitude. D'habitude, on en avait 5, je rappelle. Et sinon, t'as l'intention de causer de la gigantesque fusée. T'as l'intention de causer de la gigantesque fusée en plein milieu. Non, mais vise un peu l'engin. C'est vrai que c'est une assez grosse fusée. Et bon, du coup, moi. Le truc, c'est que du coup, ça va faire 7 secteurs en tout parce que. Là, on avait un secteur juste avant. Bon, il était pas très long, mais bon. Merci de m'interrompre, numéro 1. Bref, papy est équipé d'un traceur, bien sûr, mais on reçoit 3 signaux de 3 zones différentes. Ta mission consiste donc à visiter ces 3 zones et à tirer les choses au clair, numéro 3. Ok. C'est permis d'améliorer un peu ta carte, au fait. Qu'est-ce que tu veux en... Tu dis ça. Parfait, hein. Maintenant, elle indique les lieux que tu as déjà visités. Et quand il y a un truc intéressant dans les environs, elle s'illumine. D'accord. Oh. Par exemple, quand je me balade dans le coin, ou quand il y a un trésor pas loin, ça marche aussi. C'est papy qu'on cherche, pas un trésor, et je pense pas que numéro 3 ait besoin d'un aïomètre. Bref.
La tendre 3 est complètement à court d'œuf de poisson. Tu les as paumés en déringolant. Oui, Arg, ta panoplie héroïque est aussi en sale état. Oh, c'est trop stylé! Ça va, on va pas en faire un drame. Numéro 3 devra partir à la chasse aux œufs de poisson, c'est tout. Et reprendre les améliorations de 0. D'accord, c'est trop bien les améliorations comme ça, parce que du coup... Ah ouais, on a le sonar, des trucs comme ça, enfin le sonar... Détecteur peut-être. Mais ne t'inquiète pas, c'est tout ça. Primo, tu vas devoir te servir du sardinium pour déverrouiller les pièces d'équipement que tu souhaites améliorer. Et derrière, il te suffira d'utiliser tes points d'amélioration pour procéder à l'amélioration. Proprement dite. Du sardinium, ça doit se trouver à Alterna, non? Faut juste ouvrir la... Attends, t'expliquer à numéro 3 comment récupérer les points d'amélioration? Non, alors je prends le relais. T'es fastoche, numéro 3. Ancre un max de trucs, ramasse un tas d'objets, les points vont fuser en attendant de s'attaquer à la vraie fusée. Bon, bah, ok. Laisse tomber les explications, reçois un signal papiesque en provenance de secteur... De secteur le plus proche, va voir. Ok. Bon. C'est parti, hein. Là, attends, j'ai mon... Ah ouais, d'accord, en peignant, j'ai mes points d'amélioration qui augmentent. Ici, je peux pas peindre. D'accord. Ça, c'est quoi? Oh. Stylé, on peut prendre des photos. Il est trop mignon. Ah, c'est trop bien. D'accord, donc déplacement, ouais. Oh, trop bien. Ok, hop. D'accord. Bon. Allez, je vais prendre la photo. Parfait. Ok, terminé la séance. C'est bon, j'ai terminé ma petite séance photo. Et c'est parti. Donc on va... On peut pas. Ici on a... Ok. On va voir un peu. Ah, il y a quand même pas mal de niveaux, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois à peu près 9, voire plus. Ah, c'est énorme. Bon, bah c'est parti. Hein. C'est parti. 1, 2, 3, ouais. Ah, oh, c'est pas mal. Du coup, c'est quoi? Ça va être des ponts pour aller hein, dans différentes zones. C'est génial! Oh, comme dans l'Octo Expansion. Attends un truc. Activation. Vérification du système. Ok, authentification. Système nominatif. Démarrage du scanner biométrique. Scanner terminé. Correspondance trouvée. 0. Démarrage de la séquence d'enregistrement. Salutations, je m'appelle Orca. Je suis une sorte de système de navigation conçu pour les citoyens d'Alterna. Ouah, elle vient d'où cette voix? Bienvenue Alterna, veuillez saisir votre identité pour initialiser le processus. Arc, c'est le pire. Arc, c'est pire que les paramètres. Que de paramétrer un nouveau portable, pardon, je sais plus parler. Enfin, j'imagine que tu devrais suivre les instructions numéro 3. Traitement des données, traitement des données, traitement des données. Ding. Votre nom est valide, merci d'avoir procédé à l'enregistrement numéro 3. Ça y est, on peut officiellement taper numéro 3, numéro 3. Bon. Je suis programmé pour mesurer les exploits physiques et intellectuels que vous ne manquerez pas d'effectuer en remplissant les missions à atteindre. Pour mener à bien une mission, vous devez atteindre l'arrivée ou remplir un objectif. Les citoyens les plus doués obtiendront ainsi de nombreux œufs de poisson. Vous pourrez vous-même compter sur un salaire dodu en œufs de poisson si vous terminez cette première mission. Allez-y, la victoire vous attend. Donc. Et la langue bien pendue ce bidule. Enfin, je suis certaine d'avoir entendu œufs de poisson au milieu de sa tirade, et c'est tout ce qui compte. Okay. Mais c'était clairement le passage le plus important, il va nous en falloir un paquet pour sauver papy. Enfin, à mesure que vous remplissiez les missions et atteignez ainsi les cimes de la gloire alternienne, vous obtenez un accès étendu à l'histoire d'Alterna. Ne partagez pas ces textes sans autorisation, faites preuve de vigilance en manipulant ces informations. Ceci est une menace, pas un conseil. Bonne journée. Sympa, l'histoire d'Alterna. J'ai hâte d'essayer cette nouvelle option de ton menu. Mais plus tard, pour le moment, tout ce qu'on a à faire, c'est le plein de poissons et essayer de s'occuper de cette bouillie hirsute. Enfin, tout ce que tu as à faire, numéro 3. Initialisation de l'équipement, ok. Bon, on a que ça à apprendre, je pense, hein.
Dès que vous aurez franchi cette porte, comme dans l'octo-expansion, si un paiement en œuf de poisson est requis, vous pourrez vous en acquérir. Session terminée, récupération des données et analyse démarrée. Bonne chance, numéro 3. Merci. C'est bon, alors tout est vrai. Parfait. Allez, numéro 3, en avant. Je regarde un peu. Ouais, c'est plus le métro qu'on a ici, c'est des villes cheloues. Bon. Voilà. C'est parti, hein. Gratis. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils nous empoisonnent, je suis sûr. J'aime beaucoup cet univers. Ben, ça reste un peu le même. Oh, j'ai raté ça. D'accord, je suis mort. Yes. Ah, je me tue. Il me tue pas avant, c'est marrant. Bon. Ouais, c'est parti. Et je l'ai encore pas pris. D'accord, merci. Trois portails et trois clés. La vie est bien faite. Je confirme, la vie est très bien faite. Bon, on commence par où? On commence par avoir bien fait une intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon. Ça a pas l'air bon. Dans les rails comme ça, ça prend trop de temps, la caméra prend trop de temps. Oh, voilà, ça devrait aller. Ouais. Je vais à la va-vite, je regarde, je prends pas trop le temps de regarder. Sans alternative, c'est marrant. Comme non. Mais en gros, tu peux pas faire grand chose, pense. Ça semble être comme une dictature, un petit truc. Tout le monde est contrôlé. Comme ça. Oh, Yayo! Yayo! Bonjour. Oh non, pardon! Excuse-moi. T'as pas envie de sortir la planche de snowboard devant un paysage pareil. Si. Bon, plutôt les skis, mais bon. Ça devrait servir ça, je pense. Oh, 600 pour ça. Quelle arme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh,
un parchemin. Troisième parchemin, découvrir une cité de chaos bouillonnante, seul l'endroit le plus chaud de toute la contrée Clabousse, l'avenue de l'anarchie. Le parcourir. La parcourir. La ressentir. La vivre. Collection spéciale au cœur de la vie claoussienne, page 104. En gros, là, on voit une présentation de la ville vue de haut. D'accord. Sympa. Débloqué un troisième, un quatrième. Hop, il y a ça ici, c'est quoi? Objet de décoration. Ah ouais, d'accord, c'est pour le casier, sympa. J'explore un petit peu, je prends le temps de voir. Bon, bah nickel, hein, voilà. Disque en or, les morceaux que tu entends par ici sont plus élaborés à l'oreille. Je vois ça, hein. D'accord, jadis la contrée fut submergée par un raz-de-marée, on croyait que la fin était venue jusqu'au jour où trois lumières apparurent et créèrent un vortex qui mit fin à la calamité. La population organisa un festival où furent érigés trois hôtels flottants en hommage à ce miracle-là. Et là on voit la tour Eiffel. Si c'est... Oui, c'est bien la tour Eiffel. Oui... Bon, on va faire monsieur papier liquide pour aller les théories et tout ça. Il nous fera les explications. Mince. Des œufs de poisson, bah je suis un peu. Ok. Bon, on va faire ça. Bon, bah je pense que je vais aller faire un petit niveau. Ici. Ça. Ok. Bon. Vous avez vu les statues, c'est marrant. Allez, c'est parti. Merci. Et il coûte 30. 32 poissons. Bon. Donc, j'ai... J'aime pas cette arme. J'aime pas du tout cette arme. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Bon. C'est marrant, ça. J'imagine que tu dois ouvrir la statue d'arme. Ah ouais. De ancrer 20% de la surface. Peut-être que les plats. Oh, faut tout ancrer, faut vraiment tout ancrer. Ah d'accord, je l'avais pas vu. D'accord, je sais pas.
C'est marrant. Comme principe. C'est bien. Ça change un peu. Ici. Donc je paye encore un peu son nez. Hop. Ici après, voilà. Les dos de sa tête, son petit crâne. J'ai assez en pied. Est-ce que c'est la fin du niveau? Oui, je pense. Je suis marrant dans l'épreuve. Ouais, ça suffit d'un coup de la piste. Bon, bah parfait, hein. Oh, là, c'est long. Ah ouais, c'est sympa le petit jeu de mots. Droite au but, droite au buste. Très sympa. J'aime bien les petits jeux de mots qu'ils font sur Splatoon, ils en font plein. Il y en a plein un peu partout. Oh, 1200, j'avais pas vu. Génial. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, nickel, ça sort mieux. Allez, hein. Équipement. Ok, donc je peux améliorer ça. Allez, hein. On améliore ça. Allez. Ça aussi on l'améliore. Évidemment. Ok, il faut un sardinium. Et sinon on a quoi là? Bouillot. Ouais, donc ça c'est tous les niveaux. Il y a 9 niveaux, d'accord. On a l'arc. Votre hyperseur. Ah, du coup il y a 6 secteurs. Histoire d'attendre là. Ouh. Les progrès. D'accord, donc en fait on décrypte ça petit à petit. C'est marrant. La technologie qui avait d'abord apporté une ère de prospérité aboutit à une guerre. En peu de temps, le monde entier fut mis à feu et à sang. D'accord. Bon. On continue à décrypter ça. Et après ici dans les documents. Ouais. On a rien de nouveau. D'accord, bon. Je pense que c'est bon. Oh nickel. Allez, on va faire une nouvelle amélioration. Donc hop. Qu'est-ce qu'on en prend? Ouais, je vais prendre ça, hein. Je vais améliorer mon lanceur, hein. Bien sûr. Ça aussi, hein. Très important. On le rappelle, hein. Et ça, ça coûte 3 aussi, ouais. Bon, j'ai plus assez. Oh, je perds. Bien mieux maintenant. Allez, on va faire ce petit niveau. Oh, ça, je crois que je l'avais pas fait. Qu'est-ce qu'on va avoir? D'accord, des heures. Très bien. Bon, allez, je fais ce petit niveau et je pense que je vais laisser le premier épisode. Intéressant! Ah, on peut faire avec plusieurs armes. Donc là, ouais. C'est bien, j'adore. Je vais prendre le pilote pour commencer. Ah, il est gratuit, lui. Très bien. Bah yes, je suis mort dès le début.
attends. D'avoir regardé la vidéo, je vais vous faire un petit deuxième. Enfin, je vais continuer avec un deuxième épisode. Je vais essayer d'en poster. Je vais essayer de finir le jeu en week-end et du coup de poster les vidéos assez rapidement. Aussi, vu qu'il y en a plusieurs qui sortent le même jour. Enfin, non, en vrai, je pense que ça va être un peu compliqué. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à peut-être certainement, même pas certainement, même à bientôt pour le prochain épisode. Et salut!